Donc aujourd'hui, nous allons parler de prendre soin de soi, cela s'apprend. J'ai reçu énormément de questions par rapport à ce sujet-là, à ce titre de ce Facebook Live. C'était super intéressant parce qu'il y avait beaucoup de remarques comme quoi, mais non, c'est naturel prendre soin de soi, mais non, on n'a pas besoin d'apprendre. Ou c'était, ah oui, mais je ne sais pas comment faire, ou c'est vraiment compliqué, ou je suis noyée par toutes les informations, je ne sais plus par où commencer. Bref, il y avait vraiment plein d'interactions. Et j'ai trouvé ça très intéressant et j'essayais de groupiller tout ça pour faire un Facebook Live bien sympa. Donc, prendre soin de soi, c'est là, ça prend. Et j'ai trouvé que c'était important de parler de ce sujet par rapport déjà à mon histoire, parce que je me suis négligée pendant longtemps et que j'ai dû réapprendre à me connaître et à savoir m'écouter. Et ensuite, par rapport à cette mission qui m'anime après le vécu du cancer, et c'est de toucher le plus grand nombre de femmes à pour semer la graine de la prévention au naturel, pour être dans sa pleine puissance féminine. Et derrière ce mot prévention, pour moi, il y a quatre mots clés, quatre piliers que j'utilise énormément dans mon accompagnement. C'est réapprentissage, écoute de soi, bienveillance et autonomie. Et vous allez voir tout au long du Facebook Live qu'il y a vraiment un lien entre le constat que j'ai aujourd'hui de notre société et vers ça, vers ce que je veux vous amener. Et ces mots-clés sont vraiment très importants. Je vous le rappelle, réapprentissage, écoute de soi, bienveillance et autonomie. Ce mélange, il a comme résultat la prise en main de son bien-être et sa vitalité pour rayonner dans toutes ces facettes des femmes. Et c'est ça que je veux dire. La pleine puissance féminine, c'est vraiment rayonner dans toutes ces facettes des femmes. J'aimerais aujourd'hui vous amener dans une réflexion plus profonde, à notre palier de conscience par rapport à prendre soin de ça, cela s'apprend. Si vous êtes là, vous pouvez me mettre dans les commentaires est-ce que cela évoque en vous quand je vous dis ça. Et si je vois les commentaires, je vais interagir. Donc, dans notre société aujourd'hui, et c'est mon constat, nous avons oublié le bon sens et l'écoute de soi pour être dans la course effrénée de la vie. Nous avons l'impression en fait que notre corps ou cette vitalité, entre guillemets, tombe du ciel et que cette responsabilité de prendre soin de soi, ça ne nous appartient pas, ça ne nous appartient plus. Et à cause de ce manque de bon sens, et d'écoute de soi, quelque part on s'est déconnecté de notre corps, on s'est déconnecté de la nature. Je veux pas dire que l'avancement technologique est négatif, je parle juste de la possibilité d'un équilibre entre l'évolution de la société et la place de l'être humain en total respect de l'environnement. Et c'est vraiment très très important pour moi. J'aimerais juste vous illustrer avec des exemples parce que je pense que c'est vraiment beaucoup plus simple de comprendre. Donc, un exemple, c'est par exemple cette consommation mondialisée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple trouver des tomates toute l'année. Et là, on revient à un principe de base que la nature nous offre son dont on a besoin à un moment donné. Et ça, c'est le rythme des saisons, c'est le rythme cyclique de la nature. Mais cette nature, elle est sage, elle sait de quoi on a besoin. Et sûrement, on n'a pas besoin de tomates toute l'année, quelque part. Donc voilà, ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est par exemple la contraception hormonale. Cette contraception hormonale a été adoptée par des milliers de femmes. Comme une solution à une vie sexuelle épanouie, mais pas que, bien évidemment. Malheureusement, derrière tout ça, il y a eu petit à petit un oubli
de la connaissance de notre corps, du fonctionnement de notre corps, de notre nature cyclique. Et malheureusement, ça s'est resté dans les oubliettes. Certes, les méthodes naturelles, elles demandent une implication différente des méthodes traditionnelles, mais elles donnent une autonomie, une vraie connaissance de soi qui peut servir déjà, un, à se connaître mieux, mais deux, à savoir qu'est-ce que c'est le mieux pour nous dans nos différents cycles de notre vie. Mais attention, je ne suis pas contre les méthodes traditionnelles, je suis juste pour un choix en conscience, en pleine conscience de ce que nous avons besoin. Car petit à petit, on a oublié cette machine merveilleuse qui est notre corps. Un troisième exemple, mais je pourrais vous donner plein d'exemples, c'est que nous avons oublié que la seule limite que nous avons, c'est notre corps. Et quand je dis la limite, la seule limite, c'est notre corps, ça veut dire que c'est, on va dire, notre principale sonnette d'alarme. C'est celle qui nous dit, attention, attention, tu vas trop loin. Attention, là, il n'y a pas de point de retour. Et ça, cet exemple-là, malheureusement, on le voit avec le nombre croissant de burn-out dans notre société. Et aujourd'hui, on ne parle pas que de burn-out professionnel, on parle du burn-out de la femme, du burn-out parental, bref, il y en a plein. Et pour moi, il est indéniable que prendre soin de soi nous amène à notre plein potentiel, que c'est un vrai levier de transformation puissante et nous ne sommes pas habitués à écouter ça parce qu'on n'est pas habitué à prendre la responsabilité de soi. Et je vous invite vraiment à découvrir votre vitalité, votre bien-être, votre cœur comme un levier de transformation puissante parce que c'est un chemin de découverte de soi et c'est vraiment la plus belle aventure qu'on puisse vivre. C'est de arpenter ce chemin de la connaissance de soi. Donc oui, prendre soin de soi, cela s'apprend, car nous avons oublié comment fonctionne notre cœur. On a oublié quels sont les besoins au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau énergétique. Nous avons oublié qu'il y a différents besoins par rapport aux saisons, par rapport à notre environnement, par rapport à notre nature. Donc, c'est vraiment ce live, c'est vous amener à une prise de conscience au-delà des croyances qu'on peut avoir sur la connaissance de notre corps, sur la prise des responsabilités de notre bien-être, notre vitalité. Cette réflexion n'a pas du tout pour objectif de vous faire culpabiliser. C'est vraiment tout au contraire. C'est plutôt un message d'espoir pour vous dire que votre corps est votre bien le plus important et qu'il est temps de lui donner la place qui lui correspond. Vous pouvez vraiment faire de votre corps votre meilleur allié pour être dans votre pleine puissance. Et je peux vous dire par rapport à mon expérience ou à ce que je vois avec les femmes que j'accompagne, que la vie n'est pas du tout la même quand on prend conscience de cela. J'espère que ça vous parle ce que je vous dis parce que pour moi c'est vraiment très important. C'est quelque chose que j'ai appris, on va dire, grâce au cancer. C'est quelque chose dont j'ai vraiment senti. Et je dis sentir dans le sens d'incorporer, d'incarner l'importance de comprendre ça. Et bien évidemment, vous pouvez entreprendre ce chemin toute seule, mais il est parfois beaucoup plus long parce qu'il y a des allées et des retours. Mais vous pouvez aussi vous faire accompagner pour aller plus en profondeur, pour prendre un temps pour soi, pour être prise par la main. Et dans mon schéma, j'ai fait les deux. J'ai appris toute seule, je me suis fait accompagner, j'ai fait vraiment plein de choses. Et toutes les décisions étaient bonnes à chaque moment que je les ai faites. Mais libre à vous de faire votre choix qui vous correspond le plus.
Et ce qui importe aujourd'hui, et c'est là mon message, est de faire le premier pas vers votre bien-être et vers votre pleine puissance. Donc pour cela, aujourd'hui, je vous invite, si le cœur vous dit bien, de télécharger mon cadeau gratuit si vous ne l'avez pas, parce que c'est vraiment quelques clés pour être dans la vitalité et le bien-être et la pleine puissance féminine. Donc vous pouvez profiter de ce cadeau gratuit et le télécharger. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qui est très intéressant, qui est très important et qui a vraiment la place pour faire cette réflexion et vous amener à un autre niveau, au niveau de prendre la responsabilité de votre bien-être et de votre vitalité pour vous, pour votre puissance féminine, pour votre épanouissement. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous laisse un petit temps pour poser des questions ou partager votre expérience ou votre ressenti par rapport à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Donc, je regarde un peu sur le chat, mais j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas sur l'ordinateur. Je vais regarder ici. Comme ça, je vous laisse le temps. Je vois bien. Je regarde un peu sur le chat, mais j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas sur l'ordinateur. Voilà, je vois qu'il y a des gens, je vois que vous êtes là. Et je ne peux pas voir les commentaires ici, donc je répondrai. Je ne vois même pas les likes, je vois qu'il y a des commentaires quand je regarde sur mon téléphone. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à partager qu'est-ce que ça a fait en vous d'entendre ces mots-là. Et je vous répondrai sur le chat et pour les personnes qui écoutent ce Facebook Live en replay aussi. Donc voilà, n'oubliez pas, j'ai mis le link de mon cadeau gratuit. C'est vraiment un super truc que j'avais fait pour vous. Et restez à l'écoute parce que, comme je vous ai dit, le livre Bien-être et Vitalité au rythme des saisons, édition Printemps arrive bientôt et il est vraiment top. Vous allez avoir plein de trucs à découvrir et ça va être vraiment très très chouette. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.